press in the mug, you press a lot or you don't press. Donc vous pensez que cet atelier, c'est très intéressant C'est complet en tout cas, c'est sûr que du coup il y a les informations au départ. Qu'est-ce que vous pensez? Délice. Délice. Si quelqu'un ose me dire que c'est pas bon, alors je lui dirai qu'il n'a pas goûté. Hey guys, welcome back to my channel. I hope that you guys are doing fine. Today I'm going to take you to a workshop organized by Erika and Vima in Geneva. The participants will be provided with the concept of making tempeh, and then Vima is going to demonstrate how to prepare tempeh from A to Z. This might look similar to my previous video, particularly in the way of preparing tempeh. Nevertheless, today is absolutely different from the former video you guys watched. Because in this video, you will see that the place is not the same. There are participants who are keen to learn how to prepare tempeh, and I will pose some questions such as what are their objectives and then how do they find this workshop alone. Curious about it? Stay tuned. So before taking you to the workshop, I'd like to remind you all to click subscribe and press the bell icon too. Alright, I hope that this video or this workshop will inspire you, and now let's follow the workshop after this intro. The first step, soak the soya in the water like around 3 hours. But this I'm doing even one night fine. Well, let's say this minimum 3 hours in the water become like this, so it become fresh. You can see. Okay, and then after we need to boil. Maybe I need to boil because I have to show you where after boil when we stop the fire. After I will show you how to clean the shell. Called in Bahasa, in my language, keripik tempeh. Yeah, I using delisa. Delisa. I just want to show you until the white one, you see? Yeah. This bubble. So make foam. Yeah, foam. And then I switch off. Okay. You don't cook half an hour? No, because it's just little. Let's say like 1 kilo, maybe like 30 minutes. We boil until the bubble coming. Okay. Yeah. 5 minutes enough. Yeah, no need 30 minutes. Depend of the quantity. Still staying the shell. The cookies. Like this. So, and you don't keep the shell. No. Elle m'a dit qu'elle allait me montrer comment on fait le kombucha. Génial. Is it clean? Ouais. Magnifique. The water light. Ah oui, l'eau est claire, donc il n'y a plus d'acide, c'est plus collant. La vapeur là? Ouais, c'est la vitre en vapeur. Ça fait combien de temps? 10 minutes. 10 minutes? Ah oui, because. The quantity. The quantity. We just keep somewhere to make the water to see comes down. We keep like that, maybe like 5 minutes or 10 minutes. Yes. Après l'avoir cuit à la vapeur, on ne rince plus sous l'eau, on laisse juste bien égoutter. Okay. After this one, 5 minutes, quite cold, and then you will put in something. C'est là l'étape où on le sèche. Je sais pas combien c'est qu'il y a des gens qui vont le remettre dans la casserole. Oui, pour le sécher. Yeah. Let's say that's already cold, and then I will put in here
Ça limite. Oui, hein. On dit que c'est chaud, elle va mettre là-dedans. Mm-hmm. Chaud, elle le prend direct. Là. Après, elle laisse refroidir. Elle laisse refroidir d'abord. Ah, quand même, elle va laisser refroidir complètement. Et là, voilà. Et puis ça, c'est la prochaine étape. Je vais aussi dans le film après. Elle laisse refroidir complètement. Well, avant de mettre dans la natte. Avant de mettre dans la natte. Ok. Mm-hmm. You can just wipe like this. After cold, it's not hot anymore. Avec le papier ménage. Yeah. Around 1 kilo and 1 spoon, teaspoon. We do like this. Ouais. En fait, c'est une cuillère à café de chaque par kilo de graines. Thank you, Didi. Have a pleasure. I need the fresh one and need the ventilator between. Okay. Pour qu'il y ait l'air qui passe. C'est vraiment l'hôpital. Casser la... So now you can put a banana here. Je sais pas où, mais... You use as much you need for your mask. Sorry, make sure that your hand doesn't stain with the oil before. Non, parce que moi je cherche aussi des feuilles de vanille, parce que j'ai d'autres aussi, il y a d'autres choses en cuisine, peut-être un peu toi, parce que les tamales qui sont péruviens. And we put inside? On lui demande après. C'est pour ça que si tu veux le prendre, tu vas l'ajouter, je vais juste regarder comment elle vit cette vitre framboisée, elle fait pas ça. Sinon, tu le mets. You put under, non? Mais c'est qu'on sait faire, c'est facile. C'est bien d'avoir été jusqu'au bout, merci. Then, you press a lot, but not too strong. Thank you. Thank you very much. If in November you still have best of this. Okay. This one ready to eat. If you have one each. Thank you. So this is the quinoa rose. Ça c'est le quinoa. Beautiful. Un exemple. Très beau. Ça sent, hein? C'est vrai, est-ce que vous sens? Non, j'ai pas senti. Non. Ah oui, très beau. C'est pas juste quinoa, non? I put some soja. Yeah, to make the color. I put some soja mix. C'est 4-5 jours. Quand on So you want me to put one for every participant? Yeah. Peut-être je voulais mettre comme ça, puis vous le mettez dans le palais. Et ça, c'est des pois. C'est tournesol et pois chiches, oui. Pois chiches. Petit pois. I will give you one each. This 200 grams soja plus starter. But the starter I can give you more if you want to make other fermentation, for example, quinoa or any kind. Mm-hmm. But for this quantity, 200, you can stay like this with the starter. 200, it's made like quarter. Quarter of teaspoon. Okay, quarter and quarter. So guys, after seeing this atelier or workshop,
I'd like to ask some participants, what do they think about this workshop? And actually, what is the objective of their presence in this atelier? Okay, so let's go and find the answer to these participants. Devant moi, il y a une des participants. Du coup, je vais poser des questions à elle. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour, je m'appelle Catherine et je suis venue ici en n'ayant jamais mangé de ma vie du tempeh. Il est vrai que je fais de plus en plus des conserves de légumes lacto-fermentés pour améliorer mon microbiote parce que je sais que c'est très sain. Et dernièrement, j'ai commandé un livre pour les recettes et j'ai vu une recette de tempeh à base de lentilles corail. Ah, intéressant. Mais, entre-temps, ma fille a posté sur son Facebook une invitation pour cette rencontre et je me suis inscrite parce que j'avais vraiment envie de découvrir. Donc, on a vu le processus, on va recevoir bien sûr aussi toutes les explications à la maison par email. Et j'ai trouvé très très intéressant, mais surtout la dégustation, ça a été une révélation parce que ça peut être excellent. Ce que Vema, elle a préparé les chips de à la base du tempeh, ouais. Ouais, mais c'est extraordinaire. Elle a préparé ensuite, à la fin de toutes les explications et tout, nous avons mangé ensemble. Délicieux. Elle a fait une recette de tempeh. Si quelqu'un ose me dire que c'est pas bon, alors je lui dirai qu'il n'a pas goûté ce qu'est un bon tempeh. Parce que là, ce qu'elle nous a fait, c'est juste magnifique. Wow, wow. C'est très bonne explication, très bon témoignage. Catherine, merci beaucoup. Hein. Mais avec plaisir. Ouais. Oui, bah, oui. La prochaine fois, peut-être. Oui, oui. Ouais. Et puis, si une fois tu fais du tempeh, tu peux m'inviter, je viendrai le manger. Hein. Bah, c'est trop difficile pour moi. Il a eu les explications. Merci. Ouais, merci. À la prochaine bye fois. Bye. Bon. Now, I'm going to ask another participant. Don't go anywhere. D'accord? Ok? maintenant, devant moi, c'est un autre participant. Du coup, je vais poser des questions à elle. Du coup, tout d'abord, comment vous vous appelez? Marie. Marie, quel est votre objectif de venir à cet atelier? Je voulais apprendre à faire du tempeh et je voulais apprendre toutes les étapes et plus à partager une expérience de cuisine, de préparation en fait spécifique. Très bien. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose unique ou, Oui, parce que je pense que Vema, elle a beaucoup d'expérience justement dans la préparation du tempeh. Et du coup, c'était chouette de pouvoir qu'elle puisse nous partager toute son expérience. Et ce qui était bien aussi, c'est que même si elle s'exprime en anglais, on a quand même pu aussi traduire en français par moment quand des fois certaines ne comprenaient pas ou comme ça. Du coup, c'était chaleureux et c'était vraiment super. Instructif aussi, je pense que l'objectif est atteint, voilà, il ne reste plus qu'à essayer à la maison. Ah ouais, bon vous avez des devoirs quand même, vous avez reçu un devoir pour faire à la maison, pour faire du tempeh à la maison. Oui, oui, on a tout ce qu'il faut pour donc c'est... Ouais, ouais, c'est chouette. Donc vous pensez cet atelier, ouais. C'est très intéressant. Bah, c'est complet en tout cas, c'est sûr que du coup il y a les informations au départ et puis... Petit à petit, à chaque étape, elle détaille bien tout ce qui est important, etc. Jusqu'à détailler même la qualité du geste, des choses comme ça. C'est précieux d'avoir tous ces éléments qu'on ne pourra pas trouver ni dans une recette, ni dans un livre. Voilà. C'est une bonne idée aussi, hein, à faire de bio de tempeh. C'est une bonne idée de faire tempeh bio ou organique. Oui, bien sûr. Ouais, bah, pour moi, c'est une évidence. Alors, du coup, je ne sais pas. Est-ce que ça ne peut pas être évident autrement, donc. Est-ce que ça, votre première fois de découvrir faire du tempeh?
J'avais jamais essayé. Par contre, j'avais déjà goûté le tempeh, comme elle le prépare, les différentes manières de le préparer. Et d'accord. Tout ça. Du coup, ça m'avait donné envie d'essayer de le préparer. Parce que justement, quand on trouve dans le commerce, c'est pas forcément très attrayant, ni au niveau gustatif, ni au niveau culinaire ou comme ça. Les quelques essais que j'avais faits, c'était pas très concluant, mais c'est vrai que quand je goûtais son tempeh à elle, ça me disait toujours waouh, comme c'est tellement bon. Donc c'est vrai que c'est aussi avec elle que j'avais envie d'apprendre. J'ai pas spécialement envie d'apprendre avec quelqu'un d'autre, parce que je pense que ça peut être. Les différentes qualités de tempeh, la qualité du choix du soja. Ah oui. Elle a beaucoup creusé toutes ces questions-là, en fait. Et puis, du coup, nous, on a ce partage d'expérience que ben, si on lit une recette, on va dire faut prendre du soja jaune, ok, d'accord. Mais du coup, on n'aura pas tous ces petits détails de son expérience à elle qui font que ben, ça marche et que c'est bon. Oh. Mais c'est bien. Merci beaucoup Marie pour votre personnelle opinion personnelle. Donc la prochaine fois. Ouais. À la prochaine. As you have already seen that, you know, some of them have given their opinion because I was asking them what are the objectives of coming to this atelier or workshop, and what do they think personally about this workshop, and they always provide very good input and feedback, and therefore they are keen to prepare tempeh themselves at home. And of course, I myself find that this is very fascinating program that Erika organized. So if you guys have questions, if you guys have comments or feedback, please write them down below in the comment sections. And don't forget, if you like this video, please click subscribe, and also please give you thumbs. You can also share it with your friends. All right, so I'm Judy Le Giovanni. Thanks a lot for watching my video, and I'll see you again. Ciao.